Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau, mesdames et messieurs. C'est un plaisir immense de vous retrouver dans cette émission Entre les lignes. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un aperçu sur un parti politique historique. Au départ, un parti des parlementaires, aujourd'hui un grand parti, parti de masse, qui aujourd'hui, son combat l'a porté jusqu'à la magistrature suprême, l'UDPS. Aujourd'hui, UDPS Tshisekedi. On va parler avec un témoin oculaire, une personne qui a lutté aux côtés des initiateurs, des pionniers de ce parti politique. Il est un témoin privilégié de l'histoire. Il va nous dire aujourd'hui si l'UDPS, original ou originel, est en train de s'écarter de la ligne d'origine ou bien il est toujours en train de vivre ses valeurs de l'époque. Mesdames et messieurs, nous recevons Monsieur Bavon-Minga. Monsieur Bavon-Minga, il est un acteur politique de taille, président d'un grand club, un mouvement politique qui dirige depuis Kinshasa. Il soutient l'UDPS depuis son plus jeune âge. Il est là avec nous. Président Mboteneur. Alors, les Lozali dirigeants, il y a un grand mouvement politique, Congo Vigilance. Congo Vigilance, c'est Maponami, Bimité. Congo Vigilance, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une posture nini. Vous avez une union sacrée, vous avez Libanda, ou bien vous avez une opposition. Bon, Congo Vigilance, ils allaient observatoire, où ils allaient accompagner vision et chef de l'État, puis ils ont lutté contre Bantivalère, hein, la forme de Bangonios. Donc d'abord, au départ, nous étions un observateur libre, indépendant, mais chef de l'État présenté programme Naya Quinquennat, nous avons trouvé que les alliés ont rencontré l'objectif Nabisso, surtout où ils étaient allés voler à l'État des droits. État des droits, ils ont englobé Nyonso, Oibiso, Tozalaki, Koulukato, Banda, qui ont développé Nakati à Congo Vigilance. Yangwana, tout le monde a dit qu'on ne peut pas aller par quatre chemins. Carrément, tout adhérer à la philosophie, il y a chef de l'État, Mokonzamboka. Pour Ngamoko, au-delà de tout ça, Nazali Tshisekedi fasciste. Donc, depuis Bomwana Ah oui. Nanga, Nakola Nanga, Nakati révolution UDPSienne, l'air infiltration, Bandi Kosalama, bon. Moi, ta mort de côté, le temps que moi, la colis, à mes canaux, nous pouvons s'exprimer parce que des fois, on nous étouffait, quoi. On n'avait pas le mot à dire. Il fallait démocratiser la pensée Nabisso, la marche Nabisso. Mais sinon, nous sommes toujours liés dans le cordon. Donc, il dépasse les états d'âme, il dépasse les alliés dans la Katia Makila. Personne n'a quoi dire, sinon, qu'il n'y a pas de dépasse. Personne. Motoko kende koloka naye bokila naye mwana koli akei soki a raté azonga kana ndako donc mutu abengana biso azate mutu pe a recruter biso azate ndenge tokotaka totikala jamais ko déclarer que tolongwe bisika nyonso tokendaka tozaki nde ko défendre ba idéo ya professeur docteur Etienne Tshisekedi. Donc pour l'instant tozoko talela même si nous n'avons pas un mot à dire directement. Mais tu vois, l'ingaté Vous êtes un témoin oculaire, il y a UDPS depuis bon moment, là, aux Anakati, il y a UDPS. C'est que UDPS, il y a les lots. Il y a UDPS qu'on a connu avec bah, pionniers, bah, parlementaires. Est-ce que évolution est allée positive ou bien évolution est allée négative? Ce que aux hommes, on a façon UDPS, les lots, les Kokambama. Bon, vous savez, il est difficile de critiquer l'UDPS dans un moment où. Parce que le moment où il y a eu un bitumba ya balabala, l'air où on a pouvoir les quitter. Donc on était à l'unisson, au coco simba veste, il y a Patriarche Tshisekedi, au kangé na photo, hein, au coco qui est dans le bureau, il y a CG, au poser problème na yo, au sololi, parce que Ezaki m'a quand même bon. Ezaki bolingo mboka pe bolingo ya bitumba oyo kondo docteur Tshisekedi amemelaki biso mpona kodemokratize mboka et après alternance ekota po te afaire asseoir état de droit. Alors soki tolingi totala to passe en revue ngai UDPS na kota je pense na 85 d'abord nazangi nano mwana moke
ba précurseur ya IDPS na mwe ke zala ki un certain chambre yi petit petit ase akufa chamantei na vie mususu kombo na yezo kimanga bangonde batu ba memanga na IDPS parce que ba trouva kanga ke na zala ka hein trop révolutionnaire. Alors les gens croyaient que ba kopesa nga kindoki tela n'était pas le cas. Oui. L'air Mobutu a sali discours de multipartisme. Déjà, bauta ko kanga bango, ngana uti collège na weekend, il fallait batinda bango na prison net boulot, donc prison à l'oeuvre. Bango a zaki en cravate, ngana kena zuki tambala mama nanga, na kangi pe na kingo, j'attendais les examens d'état. Ba landinga, ba kader à l'époque, ba ye ba bende ngana bakasa balibi, sa majesté, roi Nimi, azo benganga, yende a zaki administrateur territoire. Et c'était l'unique où tout ça qu'on respectait. Là, c'est dans quel territoire déjà? Des territoires de Mweka. Mweka, ok. L'air na moni ndengwana, j'ai préféré qu'on stoppe nano. Mais pour reculer, parce que ngana yako tanga nano wawa, na institut Salon Rebandal, ou bazo benga Saint-Michel. Et le kwana l'air de kondo tiseke dia oti poto, ba mindele ba tindye ke kendo testé terrain, so ki ye zali fertile pona yo, ndebe soto ko soutenir yo, a salaki meeting na Pont Gabi. Et biso to kimi classe to ye meeting wana. Donc il n'y avait que des vieux en majorité ba papa Balouba. Ba mande fumilai mitu ba balongola souki nyonso net ba apostole ba baba. Mbala liboso pe ba kader ba kota na je ya ko traquer ba combattant ya IDPS na mitu kama ya moto. Biso to zakolo ba ke mitu kama ya pilipili. Ou bien zaki acide. Donc, mkolo wana, nazo kumona scenario ndenge zalaka, nandenge bakangaka, batwebele, bayeko relege, kondo tisekedi. Donc, erwana, bitumbe zalaki ya esprit. Ezaki ya kor a kor na Mobutu. Nous avons affaibli Mobutu, parce que par après, là, tout ceci, ba classe, to kote université, to continue na bitumba moko wana. To continue na bitumba moko wana. Je sais que quand Mobutu a fui, ba Ferdinand Ferreira bazalaki na limité biso tolongo na mituka a partir ya campus to kiti pote kondo Tshisekedi azo a pouvoir même Moses a koyeba ke kondo Tshisekedi a kosoto proclamer président na nani ya boya ki alobi non na kozo nani pouvoir par les armes te ba ya to solo la to ya organiser maponami mais c'était minimiser idée ya bato ba kota kazamba ba maki ba vanda na ngunda ba yeko ya kisasa ba moni kisasa ba bosani bitumba o bango bazuela ki minduki donc et le quoi nous étions fermes et on s'est considéré donc militant muke azala kite militant munene azala kite je peux dire que période wana il est passé à salaka musana ngoma kasi mais et yeko koma période il est passé banda ku bunda pourquoi lui dépasse a vu le jour. C'était quoi l'objectif principal? L'IDPS, c'est mon accueil de la batterie parlementaire. Et c'est là qu'il faut renverser la dictature et Mobutu. C'était ça, principal objectif au Bakriya Kanango, l'IDPS, par la batterie parlementaire. Alors, après Mobutu, il y a eu un autre dictateur plus virulent que Mobutu, c'était Musée. Et, quand on dit ce qu'il dit, a continué, il y a eu Mokowana. Bon, Makamoza est belé, mais. Moi, tango, ezali mouké. Ce qui a fait que to continue, nga na zana ba impact ba bal nanzo tonanga. Naza ba impact ba bal. Donc même sous Kabila, vous avez continué. Oui. Il y a même des images parce que Kabila kota kabiso nde bato yamba kaye. To kenya na mi to kabiso ba étudiant, to ke yamba ye a partir ya Kingasani. Mais quelques temps après, to moni ke bazo déraper, ah, biso to bete lepe le sous marche. Parce que biso to zaiso to bete le marche au regretter. Bakengo bazal ba souvenir wana. OK. Tozwa kaka étape oyo ya Joseph Kabila. Et Joseph Kabila comme na pouvoir, il s'est avéré que abandi ko picola ba kasiki ya IDPS. Abandi ko somba bango. Hein, ko pesa bango ba poste. Donc il voulait vider l'IDPS. Mais akokaka te parce que yango ezala ki nete amib. Et ce s'est créé par disparité. C'est comme ça que base a dépassé Zalak. Au Kati Mutu, au Kanseke, au Kundi Mutu, mais Ata Mukila était calé au Botali Soussou, au combattant Moussou. Donc c'était vraiment un phénomène beaucoup difficile à comprendre. Même Ata Lobi qui n'a qu'à y aux Zalaka obligé aux Zonga. Oui. Tu vois, comme étape où il y a. On a Zoko Lobaya Joseph,
dictature est continuée, Bitumbapé est continué. Mais déjà, Joseph a zalaki moindre. Parce que Mobutu a zalaki makasi. Il dépense à quoi il s'accaille. Il dépense ndé à créer qu'à entrer à Afdel. Donc, ce que comparer dictature, il y a Mobutu, il y a Joseph Kabila, comme vous le dites, il y a Mobutu qui dure, qui a Kabila Joseph. Oui, il y a Mobutu qui dure parce que la période où on a ces pays, c'est la carte. La période de Kabila, quoi que y a Zaki Koubumabatu, mais ces pays, ils ont toujours collé que ça y est, marteau nango. Donc, il y a un tout moment bako kangaye parce que le crime est allé, et bien, il y a un toyebi. Mais, toyebi, c'est pourquoi, ba mindele, ba zona nuko, ko pakola y mafuta quoi. Oui. Donc, bango d'ailleurs, ne ba senga ke pote atika y bonga. Il n'était pas parti de lui-même. Ba mindele, ba yeb sakaye atika y bonga pour des raisons que je connais. Donc, vous voulez dire que l'UDPS a favorisé aussi, en quelque sorte, arriver à FDL, na Mboka. Oui, bitumba FDL. Credo nango izalaki tozo kende kosunga ndeko na biso tsekedi o mobutu azo malmené nde discours ya musée. Donc tozo kende kokango la ndeko na biso tsekedi azo bunda yemoko, donc to kende kosunga yepo te to bengana nani mobutu. C'est comme ça que bana ebele na kananga ba diraka na armée ya Afdel ti petit à petit na ndenge ba yeko kokoma na kisasa ba Rwanda. Donc, Afdel, il dépêche à Sepela qui n'a arrivé à Afdel. Effectivement. L'ère à Sepela qui a le bac, c'est qu'on vend, tout seul. C'est un des mots qu'on a indépendance. Tout suite au Bundi, tout suite, c'est qu'on vend, tout seul. Mais, amateurisme ou bien mauvaise foi et bactère politique, ou bien manque d'éthique, et ça l'a dit que, Oyo, abanda ko ganga na direction na ye, et puis, babwa keli bango moko, et zaki pouvoir. Du coup, la rébellion, si elle est là, tout simplement pour te, Mboka Evanda Kimiate, pour te se développer. Mais, scientifique, Moussou, certains penseurs estiment que FDL a été agression rwandaise. Il a été rwandaise, ougandaise, agressé qui Congo, il a été maquillé, il a été forme congolaise, en donnant le pouvoir à Laurent Désiré Kabila. Mais dans le fond, il a été agression, il y a Rwanda, na Ouganda contre la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à l'époque, UDPS a zalaki na, comment dire, na compréhension en a qui zalaki agression? Effectivement. UDPS a yiba yi qui agression, mais lorsque Batié fils maison, moi na Mboka, na tete agression, il fallait si quoi d'abord, ko bengana Mobutu, qui était un grand mal, parce qu'on voyait Kabila un petit mal, négocier avec lui pour te dire que c'est rwandais, ce qu'on va congolais, parce qu'il va vendre autour d'une table, parce que ma camouna bango. Agression à bango, basa qu'on justifie que basa qu'on défendre minorité tous, ou bien banyamulenge. Wana banan, wana banan. Wana ba rwandais. Alors, après l'ère bâtie, n'est bâtie nanga. Maintenant, bango a zobi malissu souté, bah comme qu'on bimisa ba valet na bango. Je dirais que Musée Azala qui marionnette. Bon. Comme maintenant, il avait des antennes aux Zaïki déjà à Awa et qu'on en avait marre de Mobutu, on avait minimisé le fait. On a dit que Rwanda, c'est un petit pays. Dès que le pouvoir de Mobutu est terminé, on peut chasser le Rwandais et faire asseoir maintenant. Qui avait minimisé? UDPS pas minimisé. Qui non, l'ensemble de la classe politique. Oui. Donc, leur problème était d'abord de chasser Mobutu et le reste après. C'est comme ça que pour nous aveugler, nous tous, Batiel Bisso Musée, et ce musée qui passait partout, le Rwandais était derrière lui. Nous avons estimé qu'à Loué Bango, pour après marche vers Kinshasa, ce qui a commis à cause de sa bango. Or, bango peut pas gagner à bango agenda. Donc, Musée n'a pas su qu'au Bengana Barwande après renversement Mobutu. Non, Musée a commis au moment que bango a contacté Belé. Bazou ba poste nyonso, bazou même na armée. Et du coup, bas s'attaquer na bas officier au bâtiment qui est au Bomango, bas bandit au Bomabango. On a désorganisé l'armée Nabiso. Bazui contrôle quand Moutoune Tidiam Skabare, Moutouatangi na une bonne académie militaire, même ceux qui, tu faut tout minimiser, mais c'est un guerrier. L'air a commis, et l'eau qu'il bosse, et Zalaki, il y a qu'au détruire, structure Nyonsu armée. Nyonsu totalement. Et puis, qu'il y ait un armement Nyonsu, et Zalaki na Kambumba, qu'au Tindango na Rwanda. Aujourd'hui, je parie fort que les armes, ils ont salé la guerre, et les armes, ils ont besoin de Kambumba. Ils ont récupéré la Kanchache. À l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu. Des armes efficaces. Oui.
parce que bango bar mazako ya nango bazai ko prêter bango et pas américain. Donc ils étaient toujours accompagnés de mercenaires américains. Donc agresseur n'est pas agresseur coûte au Rwanda té. Rwanda za sous-traitant. Et ça agresseur bien multinational au bazai appuyé par ba état na bango notamment communauté européenne na États-Unis. Donc c'est comme ça que en arrivant tu y beaucoup passé période ya Kabila fils pour organiser élection parce que zemo tozaki nango alternance. Mais avant Kabila Joseph a pouvoir, est-ce qu'il y a eu des pèses reconnaître quand même que à se trompa qui dans le fait que d'accepter Kabila comme étant partenaire tout ça. Est-ce qu'il y a erreur de la part de l'UDPS? Oui, mais déjà lorsque Kabila pour des raisons de sécurité a relégué Kanani Kondo Tshisekedi na Kabila Kamwanga, ripetire kotaki être nakate. Okay. Méfiance kotaka et nakata méfiance wana communauté internationale est profité parce que si on était unis en tout cas ils allaient rencontrer obstacle ndeng bazo connaître les lo bazo ko connaître ba obstacle na est. Alors leur travail c'est de diviser Kabila et na boule mosus dicté par le Rwandais à minimiser combat ya Kondo Tshisekedi. Donc or, une union à Kabila Tshisekedi et ngasa la force ya RDC oui, à l'époque. Oui, elle a que délivré mboka. Parce que Tshisekedi a un charisme, net à Mobutu, hein, même au-delà des frontières. Or, Kabila a un mot, il a un café, il a un café, un trafiquant, il a un café, il a un café, il a un café politique, il a un café de pouvoir, il a aidé. Alors, dans la folie, il ne voulait pas partager le pouvoir. Égoïsme, il a trahir les Congolais. Donc, égoïsme, il a continué à être Kakabiso. Donc l'égoïsme c'est que ebomi mboka totalement alors que batobwani baza ebele que ceux qui boche bango autour d'une table bakobimisa champ de référence ou bien agent paradigme moko et ko sala que et sécuriser mboka pays développer en gros. Aujourd'hui idéal parce que toti kolanda na est kuna on a condamné 25 militaires à mort pour parce qu'ils ont fui Kanyabayonga Kirumba, ils ont déserté le champ de bataille. Ils ont été condamnés à mort. Alors, une question est celle de savoir, aujourd'hui, si la classe politique se met ensemble, c'est-à-dire Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, toute la classe politique se met autour d'une table, vous pensez que cette union peut permettre à ce que le Congo puisse récupérer l'intégrité de son territoire? Et moi, tu m'aimais où? Et vous aussi, toute ta classe politique, que tu vous y compris, vous y compris. De Joseph Kabila qui, en partie, est co-auteur de ses malheurs. Hein? Ou bien vous parlez de Fayoul parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ah non, pas du tout. Nous avons milité ensemble avec eux. Oui. À la différence, moi j'ai commencé ma révolution trop jeune, je n'avais pas encore travaillé. Et ils ont commencé par travailler avec Mobutu. Et après, ils se sont fait opposants. Donc, il faut bien voir cette approche-là. D'accord. Mais nous sommes partis de l'université directement, nous sommes jetés dans la politique pour soutenir le combat de Tshisekedi. Mais je veux carrément répondre à ta question, celle de savoir cette époque-là avec notre période ici, laquelle est beaucoup fertile pour l'IDPS. Oui. Je dirais le mal de l'IDPS, c'est la mise sur pied de l'Union sacrée. Ah, ce n'est plus le FCC. FCC cache. Non. FCC, ça c'est un mariage qui avait... On s'était en sorti facilement. Parce que le président Tshisekedi avait pris son courage et son audace pour mettre fin à ce mariage. Vous préférez FCC cache, vous préférez FCC cache à l'Union sacrée? Moi, je peux dire oui, parce que il y avait une formule pour gérer le mariage FCC cache. Malgré l'intolérance, l'insolence, l'impolitesse de cet classique du PPRD et de l'FCC, il y avait moyen de les réduire en prenant des mesures coriaces. Ça, c'est de un. De deux, à défaut de tout ça, le président de la République avait raté son rendez-vous lorsqu'il n'avait pas dissous le Parlement. Il avait raté son rendez-vous? Oui. S'il avait dissous le Parlement et qu'il commençait à légiférer en fonction des prérogatives qui sont conférées par la Constitution. Mais la Constitution dit aussi qu'après avoir dissolu le Parlement, il faut organiser les élections dans un délai de 60 jours.
Est-ce que le Congo avait-il les moyens d'organiser les élections dans ce délai-là? Nous avons toujours le cas des jurisprudences. Lui-même, Kabila, n'avait pas organisé les dernières élections dans les délais constitutionnels. Mais on n'avait pas versé les élections, c'est fonction des moyens. Il n'y aurait pas crise. Les débits d'organisation pouvaient être là. On peut jeter les jalons dans un délai de 60 jours, mais après, lorsque les moyens ne sont pas encore venus, vous allez attendre. Parce qu'il y a toujours des reports. Là, on va violer les reports. La Constitution ne sera pas violée. Ça ne serait pas violé parce que on dit l'intérêt de la population, c'est la loi suprême. Et si c'était pour l'intérêt de la population, je ne vois pas comment vous allez encore nous renvoyer dans la Constitution. Donc, le président Tshisekedi aurait dû dissoudre le Parlement et réorganiser les élections pour avoir un Parlement acquis à sa cause. Mais aujourd'hui, on voit Macron a dissolu le Parlement. Il y a eu organisation des élections une nouvelle fois européenne, mais les mêmes fronts a gagné les élections, le Rassemblement national. Est-ce que vous ne pensez pas que la même situation pouvait se reproduire et que le FCC cache, le FCC puisse encore gagner les élections? Il n'avait pas cette possibilité-là. Parce que plusieurs d'entre eux étaient dans les visières de la justice. Ce sont les criminels les économiques. On allait les inquiéter sur ces champs-là. Et les autres, ce sont les repris de la justice. On allait seulement appuyer sur cette machine-là des crimes. On voit sur la liste des crimes financiers. On les interpelle. On allait les affaiblir. Donc, tout n'est pas exposé ici. Tout n'est pas exposé. Mais c'est quoi? Il fallait seulement chercher les grosses têtes-là. Les mamaillères-là de PPRD. Oui. Les inquiéter. Les autres allaient avoir peur. Mettre en place une CENI et naître. Ces gens-là n'allaient pas gagner les élections. Parce que nous, on vient de la base. Ils n'ont jamais fait de bonnes élections. Et ils vont seulement prendre la CENI, ils les mettent dans leur poche, et puis ils se font nommer. Mais et ça s'est encore réalisé. En 2018. Oui. Là, c'est l'Union sacrée qui a gagné. Mais l'Union sacrée des kabilistes. Si vous inventoriez aujourd'hui tous ces gens qui ont envahi l'Union sacrée, ce sont les vrais kabilistes. Les gens qui ont pillé, les gens qui ont les groupes armés à l'Est, les gens qui ont beaucoup d'argent pillé dans les trésors publics. Et je peux mettre ma main à couper pour te dire que Tshisekedi, avec son état de droit, il n'a pas permis à ces gens-là de respirer. Voilà pourquoi on ne l'aime pas. Tous ne gèrent que par le retour de la Kabylie, parce que lui, Kabila, ne pouvait pas bien gérer un grand pays comme ça. Il s'occupait dans ses business qui ont fait de lui milliardaire aujourd'hui. Mais pourquoi vous... Alors il a laissé les pays pour compte. Voilà, chacun gérait les pays à sa façon. Mais pourquoi vous pouvez... Il s'était partagé le Congo. Comme aujourd'hui, l'Union sacrée s'est encore partagé le Congo. Pourquoi vous préférez le FCC Cash que l'Union sacrée? Ben, le FCC Cash, le Cash était une structure contrôlée, disciplinée, qui obéissait au dogme d'un leader qui était le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Oui. Le FCC était dirigé par Joseph Kabila. Donc la machine n'était pas si lourde. Les deux personnalités pouvaient se rencontrer, discuter et trouver un compromis facilement. Mais il semblerait que le FCC bloqué les actions du chef de l'État. Oui, mais il fallait qu'il blâme. Et quand il a trouvé qu'il bloquait, il avait dessous les mariages. C'était ça la conséquence. Mais en dissolvant les mariages, il ne fallait pas recruter les mêmes FCC sous une autre forme. Ils sont venus nous infiltrer. Et ils ont mis les freins dans tout ce que les chefs de l'État pouvaient entreprendre. Aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Vous avez suivi la conférence animée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au campus, où il n'a sélectionné que les anciens kabilistes, d'abord les anciens mobutistes et tous les anciens mobutistes, convertis en kabilistes. Et leur objectif, c'était quoi? S'attaquer au leadership de Félix Tshisekedi. Je ne veux pas m'attaquer aux individus. On parle d'une économie extravertie. Mais qui a dirigé les dernières années l'économie de notre pays? C'était Vital Kamerhe, professeur en économie. Et à quel niveau il a laissé cette économie? Est-ce qu'il avait droit de critiquer les chefs de l'État parce que chacun était répondant de son ministère sectoriel? Dans son secteur, qu'est-ce qu'il a produit? Les chefs de l'État n'étaient pas magiciens. Prenons l'exemple de mon frère Jalissé Boussa. Aller au commerce extérieur, si
vous citez le nom de Jean-Louis Sebousse, on peut vous pendre. Donc, ce favoritisme-là a fait que tous les projets que les chefs de l'État avaient écrits ou avaient conjugués pour la population ne se sont pas réalisés. Mais pourquoi le président continue à travailler avec ces gens-là? Qui l'oblige à travailler avec eux? Je ne sais pas. Mais dans plusieurs sorties, même sur votre plateau, j'avais dit que l'Union sacrée, oui, mais la sélection n'était pas positive. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les animaux, mettre dans le même panier et s'attendre à un bon résultat. Au CDFCC, tout le monde n'était pas mauvais. Il fallait chercher les bons. Je vois le Moukoko Sambe revenir. Oui, ce sont les bons. Il y a quand même, il y a l'IAO, qui d'abord était de l'IDPS, après il était de la Kabylie, mais c'est un bon. Un meilleur d'abord, je dirais. Il pouvait sélectionner. Mais il a pris tout le monde. Vous croyez que ces gens-là venaient par amour? C'était par intérêt? Nous avons lancé d'alerte. Parce que c'était notre travail. Nous sommes les lanceurs d'alerte au sein de Congo Vigilance. Nous n'avions pas osé. On ne nous a pas écoutés. Alors il y a eu les groupes skills des copains qui se sont formés autour du chef de l'État. Et en face de nous, on a mis les rideaux de fer, donc nous n'avions rien à dire que les chefs pouvaient écouter. L'unique langage qu'on écoute maintenant, c'était le langage d'insulte. Parce qu'on vérifie dans le répertoire, non, si je cite beaucoup de noms, ça va m'écouter cher. Hein. Tel avait incité le chef de l'État, c'est comme s'il devient fort ou bien intelligent. L'audace là, il faut qu'il soit récompensé. Du coup, ministre de l'État, tu arrives à ce poste-là, tu commences à faire des incantations qui n'ont rien à voir avec ton domaine. Tel autre, parce qu'il a tué les gens dans le passé, et bien maintenant il vient vers nous. Ok, il est un homme fort. On lui donne quand même un poste ministériel. Au bout de compte, les mêmes là ne sont pas à mesure d'assumer les responsabilités. Ils rejettent leurs échecs sur les épaules du chef de l'État. C'est une immoralité politique, ça. Mais qu'est-ce qui se passe exactement au sein de votre... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un complot contre l'IDPS. Par qui? Je ne peux pas dire par qui. Par certains cadres qui sont venus de manière accidentelle. Les autres sont arrivés à la veille de la prise de pouvoir. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui... Bon, parce qu'on va, il faut qu'on soit bilingue, comme vous avez demandé. Toloba un peu lingala. Oui. Toloba que l'Elo, Eza, Soki, 2028, bilan Eza peut-être en négatif, soit positif, soit Eza négatif. On t'a reporté responsabilité d'un chef de l'État. Mais c'est lui les pilotes. C'est lui les pilotes. Mais qui va faire les bilans? Mais Nasiko, vous vous plaignez que Azan a un collaborateur et Yamabe. Sincère, Baza sincère. Baza sincère. Oui. Ça veut dire que Bazali comme Maïna Liboulou. Oui. Baza aussi, il y a des racines, il y a arbre naï. Mais vous êtes conscient que chef de l'État Baza aussi est arbre naï. Donc il est en train de tomber. Mais je ne sais pas si lui a compris qu'il va tomber. Je ne sais pas, parce que même s'il ne se représentait pas, le parti a le droit de vivre. Il faut déjà envisager ce scénario-là. Donc, vous savez, je comprends bien, les lots Mboka, ils ont mal géré. Mboka, ils ont mal géré, n'a battu à peu confiance. Pas naïe. Bah, fort naïe, ils ont anéanti, n'a battu à peu confiance. Au biso, tout le monde, batoyo, baza, bakadiam, pemba, mboka, nabiso. Au zomon, que moutouna, moi, n'a mouke, ayebi, koyemba, et kazamu yibi. Aux hommes en moutou, à cette ambiance à Bosanique, guerre est en Est. Attitude, il y a guerre à Est, et Zate. Ce côté, il y a un ministre, il y a mon côté, il y a une attitude, il y a guerre à Est. Soumino. Gouvernement Soumino. Le gouvernement, oui, oui. Yassika. Yachidit, oui. Mon côté, il y a une attitude, il y a guerre, il y a Est. Sur les 54 personnes. Et d'ailleurs, la majorité, il y a des députés. Oui. Lorsque les FARDC ont avancé, ils ont bien Rwandais. Ils ont des minéraux, des carrières.
y a bas coltan, il y a bas matières premières. Si qu'on a posé aux questions, sans citer leur nom, parce que même Mboso Lobaka, Bazali n'a qu'à parlement. Le lo bazali n'a gouvernement. Coltan n'a bazali n'a qu'à noter. Parce que bisous, ça, ça, on a ni comptoir à coltan exaté. Na Congo, mon bimba, comptoir exaté. Il faut qu'on se le dise. Il y a des petits comptoirs, hein? Oh, il y a des créateurs artisanaux. Mais nous sommes de côté comme Rwanda. Rwanda est comme exportateur à coltan. Si vous avez un bon et belé, vous avez un poste ministériel. Vous avez un groupe armé qui a sécurisé la carrière. Ce qui justifie d'ailleurs le tomba yananga parce que vous avez un carré minier. Maintenant, vous avez un côté. Ce qui risque, Rwanda. Non, vous avez un côté. Dans ma gouvernement, il y a des gens qui ont été soutenir en complicité avec. Vous avez toujours un ministre. Depuis Kabila, Baza toujours ministre, depuis Sekedi, Baza toujours ministre, mais Bangonde Baza alimenté guerre n'est. Mais procédure administrative pour nommer un ministre voudrait que, comme on l'apprend, que l'ANR puisse étudier tous les documents, tous les ministrables, Kotanga Bakomo Nabango, parcours Nabango avant de nommer Bango. Est-ce que vous pensez que l'ANR a Salaki Moussala Naye avant que le chef de l'État a nommé le ministre ou bien Salaki Angote? Yo ko yibsanga ke na gouvernement ya mama Judith aner salaire casting nango. Parce que même aner wana il y avait d'infiltration. Ba service de sécurité nyon soyo. Ils allaient infiltrer. Armée, DGM, aner, je ne sais pas si on a des miap, ba allaient infiltrer. Moussali n'y a pas de ça. L'infiltration est allée pour avantager le Rwandais. Comment est-ce que vous avez débuté pour le Rwandais pour donc, les lots ANR sont infiltrés par le Rwandais. ANR n'a pas de Congo. Il y a des extirpés belés. Mais Moussali est allé sur ça. Moussali est allé sur ça. Est-ce que vous allez. Moussali est allé sur ça. Il fallait. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le conseiller spécial en matière de sécurité, a aidé à extirper le tunion soit en MAP. Le chef d'état-major, il a armé. Il fallait passer le Moussalouana. Mais au moment où il a commis, côté de la Kamo d'ordre, il a évité, il a vendu le Kimia et il a dit que le Kamo est en train de se faire. Il a dit que le Kamo est en train de se faire. C'est-à-dire le chef Azali n'a pas service. Il y a mal à mouté. Au moins, il y a un peu de temps. Alors que Bilobel a aidé le chef à comprendre. La famille est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Il y a des informations. Ce qui est en train de se faire, mais il faut vérifier. C'est le tempérament. Parce que les gens sont en train de se faire. Naba casino, naba nganda, naba boîte de nuit. Hein? Donc, ici, quand on a un nde, ba ma solo penza, ya ma casse, et betamaka. Parce que ba malfaiteur, nous sommes sur le monde, et bien, ici, nous sommes sur naba boîte de nuit, naba casino, naba nganda, ba diamba. Alors, ce que nous avons dit, nous avons une brutalité, nous avons un peu peut-être que nous avons une éducation de base. Nous avons un peu de temps, nous maîtriser, nous avons la vérité. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu. Sauf que y a impolitesse na y a un gir facile na brutalité comportement na wana et baby si force ya régime alors que s'il était azonga la kolaki soka la kolaki bien s'il avait un encadreur un conseiller pédagogique au côté de Ndeko Félix n'indimité que ba infiltré nyoso ba linga ki ba gagner Paris na bango kabou n'est mal nécessaire. Il était mal nécessaire. Yango wana erna le kaka bitan de mususu. Na meki kosenga na kulutu nanga tsekedi. Grand frère libéré mutwana. Makile na yekoti kala nanzoto no pamba parce que ba ennemi na yo na minute bakomo koloka ndenge nini? Soit bakende ko salema bena boloko po ba kolobake nde ko naende abomiye. Biso ba politisi ata ofingeringa mama ça fait quoi? Ata ofingeringa tata ata ofinginga. Ça ne me dit rien parce que je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je
azamutu toza bande ko tokoyebisa ye ke abunga ki parce que toyeba ina batu bazako instrumentaliser ye hein assez à comprendre te kaya sala musala na parti na ye asala opposition parce que opposition na ye nde ko faire terriote. Je ne pense pas que l'opposition ait collé à Yafayulu et collé à Yakatumi. Je ne pense pas. Libéré. Ce qui a fingaka. Oui. Ce qui a salaka ba bêtise naie. Et talien nzambe na ina bakoko naie. Mais abosa na teke et l'occasion au sala trahir nde bakoko na biso, a trahir ba o nyonso ba sopa makila pona bitumba ya kondo. Mais nini ya malamu kabunda bandai ko ebisa mukonzi. Les lois ali ko manquer makasi. Ou est-ce qu'il faut protéger, bah infiltrer, belé, autour de lui. Ben, est-ce qu'il faut dans le bango? Pour l'intérêt à la population, bon. Ceux qui peut-être pour la sécurité, na eux. Kabunda zala ki mutumoko agité, mais ma kambuna ya zala kolobango des fois pas avec beaucoup de courtoisie. Alinga kaka komanete, il dépense comme il a des leaders, parce que lui vous croyez que après lui ya kondo. C'est ce qu'il dit. Il y a encore un président de l'IDPS. Oui. Mais le Congrès décide autrement. Si je veux que je suis dans le monde, il y a un acte d'indélicatesse insupportable. Mais, R, Batou et FCC, ils ont dit que l'IDPS a joué primature. Ils ont dit que c'est ce qu'il dit. Démocratiquement, c'est ce qu'il dit. Ils ont dit que c'est un conseil. Il y a un agir parce qu'ils sont partis. Mon aîné est parti sous une individualité et comme parti à Congolais. Oui. Et je sais que parmi Batouba Beta, quand le Boko Namessa, Jean-Marc Kabunda. A Boya Kapachi, à la première ministre Kabila. Oui. Après. Yami Balé, l'air Bakéin à Jeval, l'air de Kotisekedi, Andimike, candidature commune est allée à Fayoulou, Moutoua Liboso, Oya Gangaka, est allée à Jean-Marc Kabunda. Et dynamique, on est que le Tshisekedi a renoncé à Zonga, à l'élection, il est passé comme Mboka. Ne serait-ce pas pour Naona. Il y a vendu Libanda. Il y a vendu Libanda. Après, il faut s'organiser. Il faut que les gens soient en train de se faire. Parce que les pionniers sont en train de se Libanda. Ils sont en train de ya ke ba vantire bazaka na poto o bakende okota IDPS poto bazwa mikanda obia bazwa azil o bazongi na tumambongo na bango batie mbutu mbutu na kati ya IDPS hein et puis na ba influence extérieure ou même lelo CG Kabuya o bazoko attaquer. Je ne pense pas qu'il a des mains libres pour te désigner mutu balobi a dit avoir dirigé parti a personnalisé direction à parti. C'est faux. Si ce garçon-là n'avait pas de nerfs solides, il est pèse, mais les panzanagnons sont depuis Kala. Si l'État soit fait de pouvoir, pourquoi Atiki poste la deuxième vice-président de l'Assemblée nationale? Azaliko dirigeait regroupement majoritaire. Il pouvait dire l'Assemblée nous appartient, la primature nous appartient. Comme ça, on a un premier ministre. Logiquement, c'est ça. Mais à son âge-là, a tali quand même intérêt y a nation a tali intérêt à parti a le binati karana ba milita ba combata oyo to sto mesa na bango mais il faut suko que chef mukonza mboka a pesa ba directive asika parce qu'autorité morale ezaye ce qui autorité morale ezaye ne faut pas que bo décharger makambo sur les épaules des mais aujourd'hui président Bavominga le chef de l'État a la totalité à pouvoir. Il y a un premier ministre, obédience naïe, parlement, il y a une obédience naïe. Il y a une obédience, parlement, il y a une obédience naïe. Mais il y a un parlement, union sacrée. Ah, union sacrée salée. Ça veut dire quoi? Et c'est bébé. L'État a intérêt, et c'est bébé, c'est union sacrée. Hypocrisie, n'est s'installer wana. Ok. Ceux qui basalaient obéir sincèrement na chef de l'État, est-ce que Balinga ba kende kotia a défi leadership naie? Balinga kende kotia en doute devant auditoire ba étudiant. Bo kende ko critiquer mon konzi nabino, mutu apesmino ba poste minene.
parce que bozomi mona déjà que cartel na binwana bokozona ni pouvoir na 2028 comme ça bo payer mboka ndenge bo mesana. Ça veut dire que batuana en quelque sorte bazali ko combattre réussite ya mandat et Félix Tshisekedi. Bazana o posate. Bazana o posate parce que bazana main libre à 100% bango mesana ka ko payer. Ko sala nyonso bazo sala moto zo bouger bango te. Mais na jila linge to bacheli bango. Na rigueur de ko Tshisekedi azanango et salike bakumi ko bayeye. Bazo mona on dirait soit Kabila Zongi, Azaki Suka Sundolo, secteur, Abosanio, Yotel Kosanding ou Zosan net chef Koutimi. Mais avec Félix, Bilokwane de Fouazo de Katebazo ou Bablam, et il ne supporte plus ça. Donc, il y a sacré l'élo et commis des sangas et batente, n'a pas zoro. Donc, en tout cas, permettez-moi, on a le bango clairement, bangone bazo bundisa IDPS, balingi IDPS a disparaître, pote IDPS, soke bimisi dofente, bango déjà basi ba s'organiser en dehors ya union sacrée baza déjà na ba structure na bango en dehors union sacrée et bazo bonga mapona maponami ya 2028 banda ke IDPS nanu ata arrivé 2028 mais bango déjà basi se préparer lelo soki échec ezali ezali mutonani ya souminwa ya union sacrée ou bien Félix Tshisekedi kozala na mutu ya chef du gouvernement Soumino. Oui, mais maintenant, pour justifier le mandat, c'est le chef de l'État qui va assumer les conséquences. L'échec. Donc, ce qu'il faut y avoir, c'est regarder la conduite, la marche de Soumino. Ce qui a monté à ce tribuché, en tout cas, allons-le le plus tôt possible. Parce que, Moutounios, ou Azoko Gafé, Azoko Zongi Selaye, Mabéwana. Je pense au exemple, il y a. Économie Nabiso, ils allaient dirigé par le vice à l'époque vice-premier ministre de l'économie, le professeur Vital Kamerhe. Hein? Inflation galopante, économie et côté les sous-sous, na sinistre, biloko mati, nous sommes en train de se faire battre. Mais, Azali Soussou n'a pas été à l'Assemblée nationale, maintenant il veut faire croire que ce que l'économie est à niveau, ils sont chef de l'État. Papa, toujours qu'il ne va pas. Hein? Alors, ce qui bango ba monique leadership bango ils ont se pensé bango te ba démissionner bango tout bas ma ponyame 2028 comment bino ko travailler sous nani na sala que leadership est efficace et ali ba pionyons baza autour ya leader comment bango ba to bazo détenir ba ministère ya makasi ba critiquer mon konzamboka. Donc il fallait avoir bâton aza okena ba ministère na bango a chikota bango mais bango ba lobby que Mokondiambo a respecté le principe où il y a 10 députés, un ministère, 10 députés, un ministère, a respecté Yangote. Avec le Tsana Batumusu, il n'y a même pas de poids politique dans l'Assemblée nationale. Sur base de quoi, Barbie, non, côté à pouvoir, il faut respecter le principe de Yangote. Mokondiambo a été équilibriste. Il y a 10 députés qui ont été de manière malhonnête. Comment ça? Hein? Ba somi ba député. Ba soudoyer Seni. Donc Seni a organisé ba élection mabé. Oh, papa. Est-ce que on est en secret? Hein? Kadima nous a déçu. Il a été corrompu. Kadima nous a déçu. Il était léger. Et a étalé incompétence. Donc il faut le plus tôt possible à démissionner. Aza ta ressource au l'État qui va nommer Nani. Mais la plus grande force, il y a Parlement, ils allaient UDPS. Avec près de 75 ou 76 députés nationaux. Est-ce que UDPS peut Azala qui parmi Oui, que UDPS c'est une machine politique. Oui, bah corrompu Moussousou. Oh, bah, qu'il y a un trafic d'influence à UDPS Azali. J'en connais les cas. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Yango Moko na UDPS, au moins, bah, je kobe, y a bah, tambolité, bah, décrié. C'est quoi, il faut qu'on aille corriger. Au moins, il bano ya makasi ya kati ndako. Ce qui nous était mobile sur Zika, kaka au kauk. Bisous tous tous bimana salon, to koma na veranda. Mais bah ouais, bah ti kala na salon, bazo kote ti na chambre, bazo lela. Kaka bisous à tous les bandes. Donc moi je pense que l'élection est qui mal organisée. Ton dimi quand même parce que ton lingi to zongi la case zéro t. 5 ans ce n'est pas beaucoup. Bah ouais, bah ibakiwana. Mais basa le quand même que basa la bien population s'est retrouvée. Mais bango bazo ouais les là bas émolimana bango. Au moment où on peut combien de controverses,
Donc, je pense que il est possible de traverser zone de turbulence. Mais Dit d'abord, Nabaï Mère, par rapport au partage des gâteaux, aussi un parti. c'est à partir, oui, et puis au niveau national. Parce que je prends notre cas. À Mouéka, nous avons bâti campagne. Félix Azoui, 99, Frigil, je pense 49%. Il y a solo solo ou bien il y a solo. Trafic pesant en 4. Il y a solo. Ah, tu es le Tolobaka mutu akosa le contraire bakoko na biso balandaye. O ya sala ka le contraire azate va te renseigner. Mais parce que biso c'est une chefferie. Toza un royaume. Tozo solana bakoko na biso te sa non to yeli bino mutu. Boye bisa bana na bino akosa le liboma bino bo récupérer. Et les choses ont été faites comme ça. Donc totala ka sko trahison par rapport à biso te. Parce que o biso kende ko assez abîmé président de la République. Donc, on avait estimé qu'il aura un regard vers, dirigé vers nous. Mais, oh, il y a quelqu'un qui a la trahison. Pour moi, je suis candidat, mais il y a quelqu'un qui est ailleurs. Parce que, bien sûr, tout le monde a 99, 999 voix. Mais, mon cœur, il y a un long cabine, il y a un cher, paix à son âme. Paix à son âme. Donc, les lots partagent, voilà. Et ça libère la frustration. Et ça libère la frustration. Mais ce n'est pas le secrétaire général qui avait fait le partage, parce qu'il y avait toute une commission. Il y avait toute une commission qui était mise en place. Alors, président Bavominga, président de Congo Vigilance, un observatoire national. Alors, Tozana Souka, d'ailleurs, on en vient d'épuiser toutes nos minutes. Juste une dernière question. S'il faut donner des conseils au président Tshisekedi, à Zanaï Bandeli, à Mandanaï, c'est-à-dire à 6 mois à Pamba, et tu as 4 ans et demi, conseil Nini, vous pouvez lui donner pour Mandanaï, et ça a quand même un mandat réussi. Oui, mais moi je pense que ce qui est un mandat, c'est que il y a beaucoup de frustration à l'interne, il faut attendre. Que ce que dit ce nionso. Oh, bah, il y a que pouvoir revenir dans l'IDPS. Oh, bah, bunda depuis le début. Hein? Abenga Bangoba est autour de lui. On va dire, peut-être, on va vous porter les intentions pour dire, vous cherchez un poste. Je sais par où passer pour le chercher. Nazaka Tete a Kosaganate. Nakende Kotia Moulongo le Bosso Moutoute. Quand tu me vois, je suis pas une affamé. C'est à un grand frère que je m'adresse. Ah, ok. Parce que batuneti babomanza, batuneti ba maître Bondo, bat oyé belé otozaki ko bundana bango. Les leçons laissées pour compte. On va nous prendre pour des cons. Dès nos autres temps, les gens croiront que non, bah voyez bah pèse à Kayembongo. Voilà pourquoi il n'y a qu'au baté. Bah moi qui a nyosoana, bah ma banga, bah boka. Il faut quand même améka ko réfléchir au tala ke batoyé to bundana na bango. Naba oya monique balezaye a pardonné bango. A ça la rappel des troupes, a me kako corrigé. Biso bana yandaku, biso balek, même ce qu'a pèse bisoté, mais batouan ganyouana. Ba poste zanan, ba mandataire. Ba poste zanan na kata kabine na ye. Ba poste pour baba aide a redre a. Pour a relevé des filles. Et puis envisager remaniement dans 6 mois. Pourquoi? Gouvernement ou yaza gouvernement de vertébré ou tozak ou zelate. Où est le gouvernement qui a causé la tête? Il faut dans 6 mois bah, évaluer à comment on a sable les ailes belles dans la sauce, bah, mais qu'on extirpe le ministre ou bah, l'utilité. À Zongi, ça va être un peu garé. Où est-ce que ça au moins l'action bah, est tellement et mais qu'on comme ça, il aura un grand bilan à présenter. À convoquer table ronde sur la paix, la sécurité et le développement. Qui peuvent prendre part à cette table? Azoa, mesure de crispation. Lorsque vous convoquez, vous tournez la question. Pour les lourds, vous avez convoqué tel tel. Et ça, vous avez sa démarche. Et vous avez tombé ça. Parce que l'M23 demande aussi à parler avec non, pas Bango. Pas avec les gens qui ont pris les armes, les gens qui ont tué. Pas question. Nanga, c'est. Mais Nanga a déjà tué ses propres frères. C'est allié. Il faut que vous blanchiriez. Nanga, c'est allié au M23. Hein? Il a commis les crimes imprescriptibles. Attends les lotés. Attends l'obité. Même après le lobby, il n'y a pas de côté.
Bah bombardement non sur Yaba quand les réfugiés. Mais on a suivi un moment, il y a des acteurs politiques qui étaient cités par un des rapprochés de Nanga, Eric Nkuba, qui citait les Lubaya, les Patience Saïba. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne comprend pas, c'est dû à quoi? Bon, la politique reste là, politique. Le chef de l'État n'est pas un rancunier. Il n'est pas un rancunier. Parce que nous avons dit que nous avons. Et l'autre chose, c'est que c'est Zamoutounaye. C'est Zamoutounaye. Il pouvait carrément dire, bon, quand on a un bon, vous allez les oublier. Au bout de 2 mois, vous allez vous faire un bon. Il y a un bon qui a libéré Kabound. Kabound a fait un salababèze, a fait un spectacle. Mais Kabound ne pouvait pas attenter à la vie du chef de l'État. En tout cas, je ne sais pas, mais je suis sociologue. Quand j'ai fait mes analyses politiques, je parie fort que Kabound, au-delà de l'agitation, il pouvait accepter pour te livrer Moutou Yandegounaye. Je sais que, bah, quoi ça qui est que ça là, il faut que ce leadership, comme ça, mandat prochain, tu vas soutenir comme président. Et bien, tout le monde va faire ça. Kabound. Oui. Alors, on voulait le faire à s'éviter un obstacle dynamique interne, Ndima Kiangote. Parce que Félix, non, c'est là qu'il est mandaté. Pour te évaluer. Il sera évalué au bout de ces 2 mandats. Même s'il y a un autre scénario qui se présenterait pour te azonga du sous. Mais ces 2 mandats, il faut évaluer. Non. Y compris Bissomoko, il faut te évaluer. Président Bavon Minga, président du Congo Vigilance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais est-ce que le premier mandat a-t-il été bon? Le premier mandat? Non. Il a échoué. Il a échoué. Il y avait beaucoup d'obstacles. Mais il a échoué. Échouer, c'est trop dire. Si on parle d'échec, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la classe politique qui avait créé cet imbroglio, avec tout ce qui est arrivé, comportement des FCC cash, déclenchement d'une guerre sans limite à l'Est, sans relâche à l'Est, tout ça, ça ne pouvait pas le permettre d'avoir les moyens de sa politique. Donc, il faut comprendre que la classe politique, c'est-à-dire les Nanga, les FCC cash et les consorts, n'ont pas donné à la population ce qu'elle attendait d'eux. Donc ce n'était pas un échec. Un échec comme tel, c'était les maths. C'est-à-dire? Les chefs étaient confondus dans la population. C'est-à-dire, ils ont subi, nous avons subi. D'accord. La dynamique des ennemis de notre pays. Merci beaucoup, Président Bavon Minga, Président de Congo Vigilance, d'avoir été avec nous dans cette émission. On espère que l'UDPS va vous entendre. On espère que le Président va vous entendre. On espère que l'Union Sacrée va vous entendre, même le gouvernement également de Madame Toulouka Souminois, que vous n'appréciez même pas. Non, je l'apprécie, mais j'ai vu beaucoup de maillons faibles. Mais je donne quand même la chance à chacun et chacune d'eux. De pouvoir maintenant avoir un cabinet costaud qui pourra le permettre de mieux faire pour sauver la nation. Si vous deviez servir au gouvernement, vous pourriez prendre quel poste? Premier ministre. Pourquoi? Pour pouvoir intérioriser et capitaliser la vision du chef de l'État. D'accord. Merci beaucoup, Président Bavon Minga, pour avoir préparé cet échange. On espère qu'on va vous entendre. Mais vous abordez un peu les choses dans le sens de l'opposition également qui demande un dialogue. Ferdinand Kamber et PPRD a demandé un dialogue. Martin oui. Fayoulou a demandé un dialogue. Oui. Vous êtes à l'Union Sacrée. Oui. Vous êtes à l'Union Sacrée. Oui, je suis proche du pouvoir. Mais vous n'êtes pas à l'Union Sacrée. Je suis Tshisekedi, mais l'Union Sacrée ne m'a jamais associé dans les prises de décision. Ni dans les partages des gâteaux. Comment je vais continuer à me réclamer que je suis de l'Union Sacrée? Moi, je suis Tshisekedi fasciste. D'accord. Je suis proche du régime, mais il ne faut pas me mêler dans les histoires de l'Union Sacrée. Vous n'êtes ni à l'Union Sacrée, ni à l'opposition, vous êtes fasciste. Je suis fasciste. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. Cette émission est complètement terminée. Vous l'avez compris, l'émission a été bilingue pour permettre à toutes les couches de la population de pouvoir comprendre ce message important, parce que le message était important. Il fallait éveiller les consciences, comme l'a dit monsieur Bavon Minga, d'avoir été avec nous. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Cette émission se poursuivra prochainement avec d'autres invités. Entre-temps, au revoir et à très bientôt. Merci, Dan. Merci beaucoup.